Bienvenue dans cette première vidéo du cours Sois toi-même, même si tu peux être Batman ou Batwoman. C'est un cours donc proposé par l'ISTR et qui va chercher à creuser la question, à travailler sur la question de singularité, de la singularité, qui est une notion finalement très actuelle. Et je commencerai la présentation de ce cours en citant quelques passages ou quelques phrases d'une interview que Benjamin Millepied, qui a été le directeur de la danse à l'Opéra de Paris pendant 15 mois, a donnée. Hein, c'est une interview qu'il a donnée au Figaro. Et voilà ce qu'il dit dans... J'ai pris un court extrait, mais ça me semblait intéressant pour un peu positionner la problématique. Donc voilà ce que Benjamin Millepied dit lors de cette interview. Les danseurs du corps de ballet travaillent avec l'idée curieuse que si on ne nous voit pas, on fait bien. Mais quel métier est le nôtre? Être danseur, c'est s'exprimer, pas tenter de ressembler à un motif sur du papier peint. Oui, les danseurs de corps de ballet doivent présenter une certaine homogénéité, avoir conscience de l'autre dans l'espace, mais avant tout, il faut qu'ils dansent. En ce moment, à Garnier, dans le programme contemporain, ils sont fantastiques, d'une liberté totale. Mais dans le classique, ce n'est pas ça. Fin de la citation. Alors pourquoi j'ai choisi ces propos de Benjamin Millepied pour commencer ce cours? D'abord parce que Benjamin Millepied n'est resté que 15 mois directeur de la danse à l'Opéra de Paris et que finalement sa vision de la danse était trop forte, trop différente. Peut-être sa conception de la singularité était trop présente et qu'il a donné sa démission au bout de 15 mois. Mais que dit-il dans cette interview? Il dit que finalement, un danseur, ce n'est pas du papier peint. Un danseur, il est là pour faire valoir sa singularité, pour effectivement avoir une certaine homogénéité avec les autres, mais avant tout, il faut qu'il soit lui-même. Et Benjamin Millepied le dit dans une des institutions les plus classiques, les plus traditionnelles et les plus hiérarchiques du paysage français, qui est l'Opéra de Paris. Un lieu où c'est d'abord la rigueur, c'est d'abord la discipline, c'est d'abord la tentative de formater les corps qui est mis en avant et qui est travaillé, et c'est même ça ce qui fait la réputation de cet opéra. Donc Benjamin Millepied a essayé de réformer ce corps de ballet, essayé de faire entrer un peu plus de singularité, il a échoué et a donné sa démission. Mais il me semble que cette interview et le souci qu'il y développe est un bon exemple, un exemple parmi d'autres, de ce qui est en train de se jouer actuellement dans notre société. La singularité apparaît de plus en plus comme une dominante de nos discours. Et le titre de ce cours est d'ailleurs pris à une pub, « Sois toi-même ». Sauf si tu peux être Batman. Voilà, c'est une publicité pour un film réalisé à partir des Lego. Donc j'ai détourné le titre pour en faire un autre. Hein. Sois toi-même, non plus sauf si tu peux être Batman, mais même si tu peux être Batman, c'est-à-dire que le seul objectif, c'est de devenir soi-même et non pas, même si, ou plutôt même si on a l'occasion d'être un super-héros, il ne faut pas renoncer à être soi-même. Et c'est un peu... ce qui me semblait important de prendre en début de parler de pardon, ce qui me semblait important de développer au début de ce cours. Donc nous allons voir dans ce cours un certain nombre de points et je vais vous présenter un peu le plan. On va commencer par définir le concept de façon assez succincte, hein, définir, poser ce dont on parle, même si on verra que l'ensemble du cours nous permettra de clarifier de façon plus précise ce qu'est la singularité et ce qu'on entend par là. Donc un premier temps où on va un tout petit peu définir les termes. Ensuite, on regardera très rapidement avec un PowerPoint ce que la sociologie nous dit de la singularité. Vous savez que la sociologie, c'est une discipline qui travaille d'abord avec des généralités, qui essaie de dégager des lois et des constantes.
Il m'a paru intéressant pour valider le fait que la singularité était bien un objet de notre temps, d'aller voir du côté de la sociologie. Et on travaillera rapidement un article de Yves Bonny qui nous dit effectivement que la singularité est devenue un peu problématique pour la sociologie, qui a pour habitude donc de travailler sur des règles générales et qui est un peu débordée, on va dire, dépassée par la place qu'occupe la singularité aujourd'hui. Une fois que nous aurons posé ces deux points, nous allons pouvoir travailler deux philosophes contemporains. Nous travaillerons Michel Serres, qui nous permettra de comprendre comment la singularité est aussi liée au progrès des sciences dures. Et puis nous travaillerons Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, qui nous permettra d'aborder la singularité à partir d'un versant un peu plus personnel, un peu plus existentiel. Et nous verrons comment les deux finalement se complètent dans un discours contemporain sur la singularité. Puis nous ferons droit aux critiques, car la singularité ne va pas sans critique, des auteurs comme Baumann ou Ehrenberg, donc plutôt des sociologues, ont dénoncé les détournements dont la singularité peut faire l'objet, notamment au niveau économique et au niveau du discours enfin, un discours qui peut récupérer ce qu'est la singularité. Et donc il faut faire à la fois droit aux critiques et entendre ce que ces critiques nous disent des détournements qui sont possibles sur ce concept qui est intéressant. J'espère bien vous le montrer. Et puis nous verrons dans une dernière vidéo comment le personnalisme, c'est-à-dire une philosophie de la personne, a aussi eu conscience de cette singularité et que les personnalistes comme Emmanuel Mounier ou Martin Buber ont aussi travaillé cette question et ont dit des choses très intéressantes en la mettant en lien notamment avec la spiritualité. Voilà un peu pour le parcours que nous allons faire ensemble dans ce cours. Sois toi-même, même si tu peux être Batman ou Batwoman. Un mot sur la méthodologie. Donc, j'ai choisi de garder la structure d'un cours classique. Donc, si nous étions en présentiel, c'est comme ça que nous aurions travaillé. Donc, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de vidéos. Mais nous aurons aussi comme objet de travail deux PowerPoint. C'est des PowerPoint qui sont au format MP4, donc une image sera présentée et en même temps je vais commenter au fur et à mesure que les images passent. Et puis bah, vous aurez du travail, c'est-à-dire que plusieurs fois je vous demanderai, je vous proposerai de travailler les textes, des textes que je vous aurai donnés en format PDF avec des questions et je vous demanderai de les travailler avant la vidéo suivante. Voilà. Dans tous les cas, chaque fois que je citerai un texte, hein, que je le dise ou pas, vous aurez ce texte, s'il est important, vous aurez la citation dans un PDF qui vous sera donné dans le packaging du cours. Voilà. Voilà pour le programme. Donc, on va pas traîner et on va commencer à définir ce qu'est la singularité, en tout cas, juste commencer à poser les termes. Alors, vous et moi, nous sommes des individus singuliers, nous sommes des personnes singulières. Peut-être nous ne le savons pas assez. Quand on nous le dit, généralement, c'est qu'on nous trouve un peu bizarre, donc souvent un peu trop, c'est pour ça qu'on nous le dit. C'est-à-dire qu'on souligne notre incapacité à rentrer dans le rang ou dans un groupe ou dans un moule. Quand elle est formulée comme une richesse, ah super, tu es quelqu'un de singulier pour nous ou pour les autres. Très souvent, la singularité peut rapidement devenir un poids, c'est-à-dire qu'elle suscite des attentes très lourdes sur la personne qui est sommée, de par son génie ou sa singularité, de quelque chose. Ou très rapidement, elle va faire naître de la jalousie chez tous ceux qui regrettent, eux, de ne pas être uniques ou qui croient qu'ils ne sont pas uniques, alors qu'ils le sont. Donc, vous voyez que ces réactions opposées et ces excès révèlent combien cette notion de singularité ne nous est pas familière, ne fait pas partie
de notre vision du monde ou d'une vision du monde avec laquelle on est à l'aise. D'une certaine manière, elle nous inquiète car nous n'en voyons pas bien les conséquences possibles ou quand nous tentons de les imaginer, les conséquences sont souvent beaucoup plus problématiques et c'est pour ça que la singularité nous fait peur. Donc nous ne voyons pas comment, en prenant au sérieux l'unicité de chaque personne, nous allons pouvoir continuer à constituer des groupes, à faire communauté, ou à éviter que la personne ne développe un ego surdimensionné. Bon, j'arrête là avec les remarques qu'on a peut-être spontanément quand on entend cette notion de singularité. Ces remarques, elles disent que cette notion nous embarrasse, et que potentiellement elle pourrait défaire le lien social ou empêcher la personne de construire une subjectivité équilibrée. Alors, j'aimerais développer ou souligner le fait que toutes ces remarques, en fait, parlent moins de la singularité qu'elles ne parlent de nous. Nous et notre rapport à la singularité, elles racontent combien cette réalité centrale dans nos existences a été régulièrement passée sous silence, dévalorisée, étouffée, amoindrie, parce qu'on l'a considérée trop gênante ou trop compliquée à appréhender, trop difficile à prendre en compte pour les institutions, comme l'Opéra de Paris dont parlait Benjamin Millepied tout à l'heure. La singularité dérange parce que nous vivons sur des systèmes qui ne l'ont jamais vraiment prise au sérieux, qui n'ont jamais considéré qu'elle pouvait être un point d'appui judicieux pour une vie personnelle et sociale réussie. Voilà. Sauf que les choses bougent. La notion refait surface. Michel Serres nous permettra de comprendre pourquoi précisément elle refait surface aujourd'hui. Elle réapparaît comme une donnée centrale de nos vies et de nos possibilités de vie. Et c'est pour ça que nous lui faisons droit aujourd'hui dans ce cours. Alors, essayons de voir ce que l'étymologie en dit. Selon le petit Robert, singularité viendrait de similis, qui lui-même porterait la racine de sem, racine qui exprime ce qui est un. Un, un. Donc, vous voyez ce qu'il y a d'intéressant déjà dans cette étymologie, similis avec sem à l'intérieur, c'est que cette origine donne naissance à deux sens différents. Il y a ce qui n'apparaît qu'une seule fois, que l'on retrouve dans des termes comme singulier, simple, simplicité, donc tout un groupe de mots qui dit là, qui utilise le mot sem pour dire ce qui n'apparaît qu'une seule fois. Et la même racine, sem, apparaît aussi dans des termes pour dire le pluriel, ce qui est pluriel. Exemple des termes qui apparaissent dans ce groupe, ensemble, semblable, simultané. Alors, donc, à la fois ce qui est unique, seul, singulier, simple, et en même temps, ce qui est semblable, ensemble, simultané. Donc, à la fois singulier et pluriel. Donc, dès le départ, il y a donc dans la racine de ce qui est singulier une complexité, une ambivalence. Le singulier, c'est à la fois ce qui est unique, ce qui est seul dans son genre, sans autre copie ou exemplaire, mais c'est également ce qui assemble une pluralité. Ce qui fait que l'on peut reconnaître ailleurs des choses similaires. Voilà. Donc vous voyez ce qu'il y a d'intéressant déjà dans cette même racine, cette racine, c'est que elle dit à la fois ce qui fait l'originalité d'un élément, tout en posant la question de son rapport à l'autre et aux autres. Comme si finalement, en aucun cas, la singularité ne tendait seulement vers l'unique, elle tend aussi à définir combien elle est liée aux autres, à l'autre et à la pluralité, et à ce qui rassemble.
Voilà. Et je crois que ça, on va le retrouver à de nombreuses reprises dans le cours, voir combien finalement ce qui nous rend unique ou ce qui nous permet de comprendre en quoi on est unique dépend profondément de la rencontre avec l'autre. Et se découvrir unique, c'est pas une entreprise auto-référencée. Alors en français, donc ça c'était pour l'étymologie, en français le mot singularité a deux sens. Deux sens assez distincts, mais qu'on peut lier. Le terme singulier, quand on le découvre en premier, généralement on est à l'école et on est en français et on apprend à conjuguer les verbes. Alors on apprend à conjuguer les verbes au singulier et au pluriel. Et le singulier, quand on apprend le mot, c'est ce qui est seul, ce qui n'est pas accompagné. Alors voilà, le je, le tu, le il ou le elle sont seuls. On ne sait pas encore s'ils sont uniques, mais ils sont seuls. On ne sait pas si aucun ne ressemble à un autre, mais on sait qu'ils ne sont pas ensemble et que dans ce cas-là, il faut employer ce qu'on entend comme mot, il faut employer le singulier. Donc quand on le rencontre pour la première fois, le singulier, c'est l'inverse du pluriel. Et ce singulier-là ne dit rien de la rareté, il dit juste que quelque chose ou quelqu'un est seul. Il dit simplement qu'il n'est pas accompagné. Pourtant, le concept de singularité, le concept de singulier, dépasse pourtant celui de l'unité. L'unité, c'est ce qui est seul. Donc, parler de singularité, c'est affirmer que ce dont on parle n'est pas seulement seul, isolé, au nombre de un, mais qu'en plus, il est unique. Donc, non seulement il est seul, mais il est unique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux dans son genre. Il est sans pareil. La singularité insiste sur ce qui fait la dimension exceptionnelle de quelque chose. Être singulier, c'est donc être sans pareil, c'est être unique, c'est être le seul exemplaire connu de quelque chose. Voilà. Dans la Bible, on a un terme pour dire ça, on parle de apax avec un H, Hapax. Un apax dans la Bible, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Qu'on ne retrouve pas dans un autre texte, dans une autre phrase. Alors, un apax, vous voyez, c'est comme tohu-bohu. Tohu-bohu dans la Bible, c'est un apax. Et il n'y a pas de compréhension possible quand on cherche la définition ou qu'on cherche à comprendre un mot. Généralement, on va voir comment il apparaît dans d'autres passages. Ben, un apax, vous n'avez pas cette possibilité-là, puisque il n'est présent qu'une seule fois, il n'est présent que dans un seul récit et dans une seule phrase, et qu'on ne le rencontre nulle part ailleurs. Donc, il est impossible d'aller voir ailleurs pour mieux le cerner. Il faut s'attacher à le comprendre in situ, là où il est, dans cette phrase, dans ce contexte, dans la logique qui le porte, dans le moment particulier dans lequel il apparaît. Donc, un apax, ça suscite la curiosité, ça suscite la patience, parce que c'est long de comprendre un apax. Ça demande un arrêt prolongé, un examen minutieux, voire le respect, parce qu'il n'y aura pas d'autre occasion de faire face à ce terme dans l'ensemble du livre. Donc, un apax, c'est une pierre dont la matière serait inconnue par ailleurs, dont on ne connaîtrait aucun exemplaire. Donc, cette pierre qui n'a pas forcément de valeur en soi, en acquiert une du fait de sa rareté et elle devient une pierre précieuse. Un apax, au fond, c'est une pierre précieuse. Or, être singulier, c'est être rare. Et comme avec tout ce qui est peu commun, la rencontre peut devenir un problème. Et donc, vous voyez, on vient de poser le premier sens du mot singulier, qui déjà a deux sens. Il y a le sens de singulier au sens d'être seul, unique. C'est la conjugaison. On n'est pas pluriel, on est singulier. Mais singulier, ça veut dire unique.
Voilà, d'où le grand développement sur la PAX. Nous sommes un exemplaire unique, chacun d'entre nous, nous sommes uniques, nous sommes singuliers. Il n'y a pas d'être humain qui dans toute l'humanité, passée, présente et future, il n'y a pas un autre être humain qui serait nous. Nous sommes le seul exemplaire. Donc, à côté de ce sens dédoublé de la singularité, il y en a un autre qu'on va peu développer, mais qui fait partie des définitions possibles, c'est bizarre. Être singulier, finalement, c'est être bizarre. Alors pourquoi la bizarrerie, finalement, est venue s'adjoindre, ou en tout cas dire quelque chose de la singularité? Parce que finalement, quand on est rare, on peut vite devenir un problème. C'est sûrement l'origine du deuxième sens du terme singularité, celui qui insiste sur le caractère de ce qui se distingue. Hein, être singulier, c'est sortir vraiment de l'ordinaire, se distinguer, et plus clairement encore, ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, ce qui est original, voire ce qui est anormal. Alors oui, le singulier est par définition anormal. Bon, le constat peut ne pas être accompagné de jugements de valeur, même s'il l'est souvent. Être anormal, ça peut ne pas susciter un jugement de valeur négatif ou positif, mais juste un constat. En tout cas, s'agissant des êtres humains, il n'y a pas d'anormalité. Chaque être humain est totalement singulier. Mais qu'est-ce que nous dit ce sens de bizarrerie? C'est que la singularité déconcerte, qu'elle perturbe. Elle ralentit peut-être toute disposition à faire comme avant ou comme d'habitude. Voilà. Qualifier une situation de singulière, c'est souvent devoir statuer sur la nouveauté. Est-ce que c'est positif, puisque c'est si bizarre? Est-ce que c'est positif? Peut-on la juger acceptable? Doit-on admettre un intérêt ou une forme de beauté? Voilà. En tout cas, le singulier arrête et peut devenir bizarre et inciter à un jugement positif ou négatif pour décider où c'est qu'on va le classer. Voilà donc les deux sens, voire les trois sens du terme singulier en français. C'est ce qui est unique dans les deux sens d'unique, à la fois seul et rare, et puis ce qui est bizarre. Alors cette singularité, elle apparaît fortement dans les discours qu'on peut entendre aujourd'hui, que ce soit des discours d'intellectuels, mais aussi des discours d'artistes. Alors un artiste est forcément singulier, donc il peut peut-être plus facilement l'utiliser. Mais le discours sur la singularité est peut-être une des grandes nouveautés de notre époque. Là où hier on parlait de classe, de structure, de catégorie, de conditionnement, de groupe, aujourd'hui, la question de l'individu singulier, on parle de l'individu singulier, de sa prise en compte, de l'attention qu'on lui porte ou qu'on ne lui porte pas, de la place qu'on lui fait ou pas. Voilà. Alors, il me semble-t-il, un des symboles de ça, ou en tout cas un bon baromètre de ça, c'est l'école. Là où hier, il y avait 30 enfants dont on estimait qu'ils se ressemblaient, qu'ils étaient similaires, que l'on regardait avec. En ne cherchant surtout pas à débusquer une quelconque singularité. Donc on ne voulait rien savoir sur leur identité culturelle, on ne voulait rien savoir sur leur langue régionale, sur leur religion, sur leur bilinguisme, etc., sur leur culture. Donc c'était des individus finalement neutres, c'était des individus sans histoire, on ne souhaitait aucune différence, et c'était des individus sans handicap, sans problématique de compréhension ou d'apprentissage. Alors cette vision-là, on sait bien qu'elle était positive,
c'est le fait qu'en France, notamment, notre citoyenneté est basée sur le fait que nous avons affaire à un individu théorique, qui est un citoyen théorique, qui est un citoyen qu'il est, quelle que soit sa religion, son ethnie, son histoire. Chaque citoyen a la même valeur. Et c'est pour ça que finalement, le citoyen est en France sans appartenance. Chaque personne a la possibilité d'être un citoyen. Bien entendu, cette vision positive qui donne sa chance à chaque personne, indépendamment de ses appartenances, s'est affinée dans la question de l'école notamment, mais dans bien d'autres lieux. Aujourd'hui, ben, on s'aperçoit que les enfants ne sont pas tous pareils. Il y en a qui arrivent, ils sont déjà bilingues, d'autres non. Il y en a qui arrivent avec des dyspraxie, dyslexie, dysphasie, et que le meilleur moyen de les aider à avancer, c'est de reconnaître leur singularité, de les rejoindre là où ils sont pour les tirer vers l'universel. Mais on a compris à l'école, l'apprentissage se faisait en rencontrant la singularité pour ensuite ouvrir l'élève et le jeune à ce qu'il n'est pas. Donc, me semble-t-il, ces découvertes-là, ces progrès-là, n'ont pas co concerné que l'école. Et globalement, on a un souci beaucoup plus fort et on est beaucoup plus attentif à la singularité. Voilà. Ça peut aller des puzzles personnalisés, aux crèmes de beauté personnalisées, voire aux traitements médicaux que l'on nous promet et qui seront totalement singuliers par rapport à notre ADN ou je ne sais quoi. Donc, on a l'impression qu'un mouvement s'est mis en place qui concerne finalement tous les secteurs de notre société, hein, du médical à l'éducation, à l'art, à la société en général, à notre façon de vivre. Que ce mouvement est durable, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une mode, hein, il est en train de se passer quelque chose. Et que potentiellement, ce qui se passe est en train de révolutionner la société, et notamment, entre autres, la façon peut-être de voir les personnes, mais également la façon de faire communauté. Voilà. Cela re-questionne les modalités du vivre ensemble et reconfigure le discours sur la personne. Comment faire des communautés avec des gens singuliers? Ça, c'est une vraie question. Donc, pour commencer, comme je viens de vous le dire il y a quelques minutes, ben, on va aller regarder ce que la sociologie en dit. Puisque la sociologie travaille plutôt en catégorisant, plutôt en essayant de voir les comportements, les tendances et les influences pour voir ce qui demeure, hein, pour voir les invariants, comment la sociologie appréhende la singularité. Voilà. Et donc, je vous propose d'aller regarder le commentaire d'un PowerPoint. Avant, vous pouvez bien sûr aller lire l'article de Yves Bonny qui s'intitule Un objet bien singulier, qui est paru dans la revue Les nouveaux objets de la sociologie en 2016. Donc, cet article, il est en accès libre sur Internet. Donc, je vous ai mis la totalité de l'article. C'est un article un peu difficile, mais. Si ça vous dit, ben, vous pouvez le lire jusqu'au bout. Personnellement, ce qui m'intéresse dans cet article, c'est d'abord les trois premières pages du début. Donc, si vous n'avez que quelque chose à lire, allez lire les trois premières pages de l'article de Yves Bonny. Et puis, allez regarder le PowerPoint où, rapidement, je commente quelques passages pour tirer quelques points, me semble-t-il intéressant pour la suite du cours. À très bientôt.